match. Il y a déjà... Oh, Léon qui a gagné contre Mozaï du coup. Let's go. Donc MKLéo qui affrontera Léon. Ça, ça va être vraiment cool. En top 8 ? Top 8. Top 8 winner. Oh, c'est trop bien ça. Léon en ce moment il est d'une régularité. C'est vraiment sa constance, sa force en ce moment et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Il a fait une petite contre-perf au Battle of BC. On va pas se mentir, mais ça reste très honorable par rapport à tout le reste. Il a ce souci de pas nécessairement avoir pu voyager autant que les autres aux US. Donc il doit toujours avoir cette petite temps d'adaptation à des majors américains. Mais il est clairement capable de grandes choses. Comme ces deux types ici présents. Le type jaune, le type bleu, blanc, rouge. Gaga Yux contre Patachou, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Naruto Ultimate Master 3. Mais même ça, ça va, c'est pas aussi schnapps hein, parce que alors là, ça va se schmoum comme pas permis. Vous avez deux, vous avez le personnage le plus mobile du jeu, hein, je pense, très sincèrement. Et là, voilà, le Nusu, là avec le dragon, mais celui-là, il est pas bon et il va être puni avec le wall break. Et là, au zéro de vital, il y a surtout le bonus positif et le bonus positif maintenant qui est tellement impactant. Pour beaucoup, une fois que tu as le wall break, une fois que tu as le bonus positif sur certains persos, une touche en bloc est à gagner. C'est tellement compliqué pour lui. Oh, la même neurone s'est activée en même temps. Clash de 2K, clash de 2D, ça finit par avoir le trait. Mais c'est quand même Patachou qui va commencer à dérouler. Regarde-moi ça, on a le mur 6H pour pouvoir valider le wall break derrière et le positif bonus. Très bien là ce qu'il est en train de faire là pour l'instant. Allez, nouvelle overhead, juste histoire de terminer le travail. Ah mais là c'est cheap moment sur 20. Je te mens pas que Gaga Yux, là je pense que là-dessus il va avoir du mal sur l'adaptation sur le nouveau patch, la nouvelle subtilité. Mais son jeu à l'ancienne, on l'a vu, il est efficace à bien des égards, mais arrivé à un certain stade, là, tu vas avoir des blocages parce que tu n'auras pas forcément les bonnes optiques par rapport justement à tout ça je pense. Là où Patachou justement il a full dosé. Ouais, il a full dosé et on peut le voir pour le coup sur ses prises de décision, sur ses conversions, voilà, sur la façon qu'il a justement de pouvoir pressure et on continue. Et vraiment là, en plus ça, il avait l'avantage et il ne s'arrête pas, il ne s'arrête plus, le joueur Patachou. Exactement. Très probable en tout cas là-dessus. On a voulu entamer 6H, mais Albert, donc c'est pas très grave de toute façon. Encore une fois, je te l'ai dit, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il arrive, voilà, à imposer son jeu, hey. Et wallbreak direct malheureusement, ouais, tu vois, il s'attendait pas non plus à ce que ça wallbreak aussi vite. C'est pas grave parce qu'il a au moins le bonus positif, il peut essayer de profiter, mais encore une fois, la lentière. Patachou qui s'adapte très très bien. Avec là en plus tout ça, il n'y a pas dragon, et le bonus positif, même pas, il faut maintenir sur le corner, c'est pas bête. Non, non, effectivement, c'est vraiment une bonne décision là pour le coup, et en plus de ça, ça finit par forcer Gaga Yux à vouloir sortir sa lentière, ça la chope. Coast to coast, maintenant tu subis la pression. Regarde l'explosion, boum, c'est fini pour ce set, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu dis toi encore? Ninja. Hein? Je sais pas, il est dans son monde. Et. Après ça va, il est souriant, malgré tout. Il est là. Il a le mindset qui me fait plaisir. Voilà, voilà, il claque son dehors, mais c'est pas grave, la vie continue, le jeu continue, le set. Patachou, la vie est en train de dérouler, ça commence à devenir compliqué, ça commence à devenir assez conséquent en termes de dégâts. La super, que vous donnez ce que vous aimez, tout ce que tu veux, le beurre, l'argent du beurre et. Okay. Quoi? Hein? Non? J'ai dit quoi? Ah non, je ferai pas la suite. Ah non? Non, je ferai pas la suite. Non. On l'a tous, hein. Ah. On l'a tous. Ah bon? Roland nous regarde. Roland nous regarde. Quoi? Oh non, ça veut pas tuer? Oh, ça veut pas tuer? Ça... Ah! Oh non, 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 les problèmes, non, ça va, on a le burst. On a le burst. Oh le dash de fou, voilà. On arrive à avoir le moment fou là-dessus. Il est en train de faire des dingueries. Mais Gaga Yux qui survit malgré tout. Okay. On le chase. Okay. C'était excellent. L'overshoot là-dessus était parfait pour prendre ça et l'emmener à sa balle de match. Yep! Balle de match! Et très pour le moment, la balle de 3-0, hein, si ça continue comme ça. Je te l'ai dit, hein, Patachou, il est vraiment dans une bonne dynamique en ce moment, avec des très très bons résultats, très réguliers en plus. Et la première chose P, pas de deuxième. Maintenir sur le corner, avec en plus l'overhead, confirme, RC, c'est terminé. 3-0 pour Patachou, sans aucune contestation possible. Et Patachou, encore une fois, on le dit, le challenger qui va pouvoir avoir sa place en...